coup, donc oui, je sais, Steph, je t'ai dit pas de vidéo aujourd'hui, mais celle-ci va être courte, quoique vu le bijou que je tiens entre les mains. Oui, c'est vrai, Steph m'a dit, mais Audrey, je ne sais pas comment tu fais, j'arrive plus à suivre. Et en fait, c'est parce que j'ai voulu à tout prix mettre. Je vous explique ce qui s'est passé hier avec les vidéos. Hein. J'ai voulu à tout prix mettre la carte que j'avais envoyée pour Béa en Belgique, qui a mis donc plus d'un mois à arriver. Et normalement, quand j'ai téléchargé celle du junk, pour moi, elle était en privé. C'est-à-dire, elle n'était pas encore publique. Et pas de bol, elle a téléchargé en public. Donc, ça vous a fait deux grosses vidéos d'un coup. Ça, je m'en excuse. Donc là, c'est une petite pause aujourd'hui, ce qui n'est qu'une balle. Et demain, vous inquiétez pas, on reprend les junks, puisque moi, de toute façon, le junk est fini. Hein. Donc, voilà. Là, j'ai reçu aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, une pure tuerie. Alors, je l'ai juste sorti, j'ai pas lu mon mot. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser à la contempler tant que je lis mon petit mot. Ça vient des créations de Sonia. Alors, Sonia, je vous l'ai toujours dit, c'est tout en finesse, etc. Sonia, si tu passes par là, je vais. Enfin, il faut que je t'envoie un mail pour avoir. J'ai fait la carte d'Ewen, j'ai filmé. Une carte bonbon, moi j'appelle bonbon, et c'est tiré de Pose Scrap. C'est une carte, elle l'appelle tableau. Elle a tellement plu que ma mère en a refait un modèle. voilà. Et donc là, j'aimerais la photo du petit bout. Donc j'enverrai un petit mail à Sonia. Voilà. Et je vais du coup essayer de travailler ça en plus ce week-end, parce que ça nécessite une réponse tellement c'est magnifique. Alors, voilà, je vous fais comme ça. Et je lis mon petit mot à moi. Regardez-moi cette tuerie. Alors, merci, bonne année à toi aussi. Bah oui, elle me plaît. Quand je l'ai vue, j'ai. Oh! Première carte patouille. Bah moi, je trouve qu'elle est très bien parce qu'elle m'a épatée. Non, 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 non. Elle est très bien, il n'y a aucun souci, même si c'est une première. On voit bien tout le travail des matières et tout. Moi, j'adore. Oui, vous savez, il faut que je passe. Alors, allez, je vous la détaille. Gégé, tu râles pas, j'ai le droit de la regarder. Est-ce que vous l'avez vue pendant que je lisais mon petit mot? Alors, on a. Oh, travailler ça, mais c'est un truc. Alors là, vous avez des tampons de fond. Déjà, sur. Je pense. Je ne sais pas si le. C'était un cardstock blanc au départ. J'irai pas décoller pour voir, hein, faut pas exagérer. Avec un aspect rouille, bronze. Enfin, voilà. Tout cet aspect que j'aime beaucoup. Ah, faut dire que ça tranche pas du tout avec mon pull aujourd'hui. J'aurais dû mettre ma cape bleue. Donc là, vous avez des petits tampons. Je ne sais pas du tout comment elle a travaillé le cardstock de base, mais enfin, bon, je vous assure, c'est sublime, quoi. Ensuite, là, vous avez de la matière. Donc, est-ce que c'est de la pâte à structure que tu as mis comme ça, qui fait aspect rugueux, crépi? J'aime beaucoup. Là, elle a mis une découpe horloge. Celle-là, je l'ai, j'adore. Voilà. Là, à nouveau de la matière. Deux engrenages. Et. Ah! Fais attention, ma fille. Et une capsule avec un nœud marin. Enfin, une boussole marine, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, une rose des vents, je crois, j'avais dit. Une rose des mers, enfin bon, bref. Regardez-moi ça. Donc, et elle a parfaitement compris le truc. L'idée, après, c'est de mettre en relief, c'est qu'on voit le relief. Et donc, pour le mettre en relief, là, je réfléchis parce que, ayant fini mon gros envoi que j'envoie tout à l'heure, là, tout de suite après. Là, je réfléchis pour essayer de trouver un moyen de mettre en volume, mais pas forcément avec du métallique. Et elle est juste sublime. Donc, elle a remis l'accent en fait sur le volume derrière par une espèce de. Enfin, c'est pas une espèce de. Attention. Par de la patine brillante ou de la nouveau brillante ou je sais pas ce que c'est ou la peinture, j'en sais rien. En tout cas, ça fait l'effet escompté, quoi. On voit bien les aspérités. Enfin, moi, je trouve qu'elle est superbe, quoi.
Oh, bah attends, j'avais pas tout vu. tu vois, faut regarder à l'envers. Là, on a une super. Mais non, je l'ai dit, capsule. Bon, là, on a le sentiment meilleur vœu. Et là, on a la pépette steampunk colorisée. Donc, ça, après, hein, parvenir sur le fait que Sonia est extrêmement douée sur tout ce qui est finesse, minutie. C'est pour ça que, du coup, ça nécessite une réponse finesse et minutie. Dans la patouille aussi. Décidément, là, je me suis mis dans la patouille, j'ai l'impression que j'en sors plus. Je fais tout en patouille. Et alors, surtout, tout ce qui est petits engrenages, j'essaie de trouver le reflet. Voilà. Là, elle l'a fait au stylo pailleté. Tous les petits détails, les petites sangles qu'on a au bustier, les ceintures sont aussi au stylo pailleté. C'est juste magnifique, quoi. Et puis, elle est sublime, cette pépette. Elle est juste magnifique. Je la trouve et sexy et bah, après steampunk et tout ça et c'est juste sublime. Alors Sonia là, franchement, pour quelqu'un qui ne connaît pas le steampunk et tout ça et la patouille, enfin moi je la trouve magnifique ta carte. Du coup, je vais t'en refaire une, pas dans le style steampunk. Je vais essayer quelque chose de frais pour toi. Enfin voilà. Cette magnifique carte. Donc du coup, Sonia, je me colle sur toi ce week-end. Parce que ce week-end, je travaille pas. Hein. C'est aussi simple que ça. voilà, je vais me coller là-dessus ce week-end. Et sur la carte des Wen à finir. Comme ça, j'envoie tout en un seul coup. Peut-être que du coup, tu recevras pas mes bons voeux pour le 31 quand même. Peut-être qu'on sera short. Mais sur l'idée, voilà. Enfin, sachant que c'est pareil. Je dis, ouais, mais il faut que j'en fasse une à Ethan. Donc, pas d'anniversaire, mais je fais aux deux. Donc, Sonia, je te remercie. Elle est sublime. Va vraiment falloir que j'invente des étages ou je sais pas quoi. Je suis en train de des étagères. Je suis en train de me dire, je vais la mettre là-bas. Mais elle commence à avoir plein de trucs là-bas. J'ai la magnifique carte de Sabine Ounette, là, tout ça. Donc, tu vois. Il va falloir une exposition, une étagère d'exposition. Parce que là, après, sinon, j'en viendrai pour prendre un autre et ça va pas. J'y arrive pas. C'est beau, donc j'arrive pas à les bouger. Les Noëls, ça m'a pas gêné. La belle vitrine que Laurence m'avait faite, ça m'a pas gêné de l'enlever, dans le sens où je sais que l'an prochain, elle revient, et elle revient à Noël. Tandis que là, à un moment donné, pourquoi plus enlever plus une qu'une autre, ou c'est compliqué, quoi. J'ai du Mamijou là-bas. J'ai celle de Sabine Ounette. Voilà, après, j'ai plus trop de place, quoi, puisque l'autre côté, j'ai mes masques, mon coffre et le petit bustier à Nathalie. Enfin bon, de Nathalie, pardon, Steph. C'est la misère. Je ne sais plus quoi faire pour exposer. Elle est sublime. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Donc, je vous dis, les vidéos qui vont arriver seront celles du jeûne que j'ai fait hier. Voilà quoi. La vidéo de demain, du coup, je vous le dis, sera plus dans la veine de celle que vous avez vue en premier, quoi, sur comment je continue de décorer mes pages autrement. Et ensuite, la troisième, ce sera la couverture. Et la quatrième, ce sera la présentation du jeûne tout fini, quoi. Sachant que j'ai petite Frimousse qui a aussi reçu sa carte. Donc voilà, c'est une vidéo qui est filmée. Donc Steph, quand tu me dis, mais comment tu fais? J'arrive pas à te suivre. C'est parce que c'est des choses qui sont filmées et qui ne sont mises que quand les gens reçoivent. Donc en fait, c'est comme ça que je me retrouve avec une accumulation pas permise de vidéos. Voilà. Mistralala, maintenant, je me penche sur ton cas. Je me penche là-dessus. Je me penche sur deux cartes que je veux faire aussi. On va y arriver. Là, je suis moins dans le jus. Ayant fini mon gros envoi, voilà. Je suis plus détendue, je sais que c'est des cartes, voilà quoi. Ce soir, je rentre du travail, même si je rentre et qu'il est 9 h, je peux me faire une petite carte tranquille, une carte une ATC, et voilà. Ça part gentiment. Surtout que ce soir, je pense que je ne les filmerai pas. Les deux que je veux faire ce soir, ça ne sera pas filmé. Voilà. Bonne journée. Merci bien. Bisous.